Alors, carte postale rapide du club, à la sortie du Covid, c'est une carte postale qui est un petit peu tronquée, je dirais, quelque part. On est reparti dans les mêmes directives et dans les mêmes proportions que les saisons d'avant. Donc on a autant de collectifs aujourd'hui sur le papier. Les inscriptions ont commencé, ça se passe relativement bien. On a un nombre assez important de licenciés qui arrivent là pour le moment. Alors sur la saison qui vient de se terminer, on était 360 licenciés. Notre fonds de commerce, je dirais, c'est autour de 350 licenciés. On a commencé début août à reprendre un petit peu contact entre nous. On a repris un petit peu la piste et on a retrouvé du plaisir à se retrouver avec une fin de saison qui est passée assez difficile comme pour tout le monde avec ce Covid. Donc les choses se font naturellement. Voilà, tout doucement, on vient sentir un petit peu l'odeur de ce gymnase et ça fait du bien. Comme l'a dit notre manager Gauthier, on essaye surtout de retrouver du plaisir. Et quel que soit le niveau, même si on n'est plus en national, on va simplement déjà essayer de prendre du plaisir, de jouer juste. L'équipe, elle est composée de quelques anciens qui sont restés avec nous et beaucoup de jeunes. Moi, c'est tous les jeunes que j'ai formés, que j'ai eus, ils avaient 13 ans et qui arrivent maintenant en senior. Donc c'est principalement pour ça et les anciens qui sont restés que je suis revenu à la demande de Gauthier pour entraîner ce collectif. Les deux dernières années, le projet était moins axé sur les jeunes, surtout sur la filière depuis les moins de 18. À part recruter autre part, on n'avait pas de renouvellement entre guillemets dans le club. Et jouer avec un entraîneur qui m'a coaché depuis 3-4 ans, ça fait plaisir de le retrouver. L'autre nouveauté cette année, c'est qu'on va beaucoup travailler en collaboration avec l'équipe 2. Il y aura des passerelles entre la 1 et la 2, et même des passerelles avec les moins de 18. En termes d'entraînement, du coup, nous, moi avec mes moins de 18, je suis à 2 entraînements par semaine. J'ai 25 jeunes. On travaille en fait en parallèle avec les entraîneurs seniors pour qu'on ait les mêmes idées, les mêmes lignes directrices en fait. Pour que, encore une fois, quand un jeune il va aller à l'entraînement senior, il ne sera pas perdu parce que la combinaison sera le même nom que ce qu'on a vu à l'entraînement. Ce sera tout pareil, sauf que voilà, ce sera juste des partenaires différents. Et comme toutes les équipes jeunes, les points forts, c'est qu'un jour, ils vont pouvoir tout renverser avec l'insouciance de la jeunesse. Ce qu'on veut, c'est redonner plaisir à ces joueurs qui viennent, aux spectateurs, on les veut nombreux, et qui se retrouvent au sein de notre équipe à nous, et aussi de l'équipe 2, et aussi des équipes féminines. On veut vraiment arriver à ce que le club d'Albertville donne envie, en fait, donne envie de venir et partager des moments d'émotion avec nous.